Interview, vice-champion du monde au Qatar l'hiver dernier. Le sélectionneur de l'équipe de France se confie longuement au Figaro. Envoyé spécial à Nice malgré une actualité morose pour le football français. Entre une fédération en crise et les résultats désastreux de ses clubs sur la scène européenne, Didier Deschamps tente de garder le sourire. Placé dans une position inconfortable au regard du duo qu'il formait avec Noël Le Graët, le sélectionneur des Bleus a décidé de s'exprimer sur tous les sujets d'actualité pour la première fois depuis la Coupe du Monde et cette finale perdue face à l'Argentine le 18 décembre. À Luceil, entre l'épopée sélection au Qatar, finale mythique, gestion des affaires Pavard et Benzema ou encore sa prolongation contrat, démission Le Graët, l'ombre Zidane et le futur Capitana, Dédé, a des messages à faire passer, parfois avec rondeur, d'autres fois plus frontal, mais avec l'idée de restituer certaines vérités. Entretien, Le Figaro. Vous étiez jeudi à la FFF pour les adieux de Noël de Le Graët aux salariés. Didier Deschamps.